Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Crap. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un petit rendu d'un dice que j'ai commandé donc chez AliExpress. J'avais quelques personnes qui m'avaient demandé, donc je me répète, mais qui m'avaient demandé justement de quand je faisais des créations. De présenter justement le rendu des dies que j'avais commandé chez AliExpress. Donc voilà, alors là c'est un dice pour faire une boîte pour des petites bouteilles, environ 40 centilitres. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc c'est ces fameux dies, donc voilà, vous avez ces deux parties pour former la boîte, donc il faut en faire 4, comme ça. 4 découpes de ces deux dies. Ensuite vous avez le fond de la boîte. Donc c'est de là, et ensuite après c'est juste la décoration pour décorer le contour de la boîte de la poignée. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, ce que j'ai fait avec ces dies là de chez AliExpress. Voilà, donc voilà le rendu, voilà le rendu de ce dies. Juste magnifique. Voilà, si vous voulez offrir quelque chose, enfin une petite bouteille pour une personne qui vous est très chère, voilà ce que vous pouvez faire avec ces dies. Voilà, donc là, bon, je suis venue donc faire donc les découpes. Comme je vous ai dit, il en faut 2 de chaque. Donc en tout, ça vous fait 4 feuilles, enfin 2 feuilles à 4 en papier craft dans ce bloc là, voilà ce bloc là. Donc j'ai pris donc les feuilles plus épais, plus cartonnées en fait, pour faire donc cette boîte. Et ensuite je suis revenue faire une autre découpe avec ce dice là pour recouvrir la boîte, en fait pour recouvrir voilà, pour recouvrir, pour donner un petit peu de couleur. Donc j'ai aimé les couleurs un peu turquoises avec ce craft, il rend super bien. Donc voilà, ensuite avec ce dice là, j'ai fait donc cette découpe en craft. Je suis venue donc coller tout autour de la petite poignée. Avec ceci, avec ce dice là, je suis venue donc coller le contour de la petite poignée. Et avec ce dice là, voilà, je suis venue donc faire ma petite languette, voilà, pour faire ma petite fermeture. Et voilà, par exemple, après j'ai pris un autre papier dans la couleur turquoise, refaire une autre découpe pour justement égayer cette partie du dos de la boîte, en fait. Voilà, voilà le rendu, et je la trouve super. Enfin, c'est pour offrir, je trouve que c'est sympa. Et donc, à l'intérieur, voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une petite bouteille en verre. Donc, très bien pour la planète, hein, bien évidemment. Voilà, j'ai mis donc ceci à l'intérieur. Voilà, et pour offrir pour mes concours ou pour un concours, pour un échange, voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas mal de faire ce genre de présent à une personne, voilà. Et donc après je suis venue donc mettre du scratch pour faire la fermeture, donc avec la petite languette, et je suis venue mettre un petit brad que j'ai collé ici pour justement égayer l'ouverture de la petite boîte bouteille, voilà, tout simplement. Donc voilà le rendu de ce set de dies qui est juste sublime pour faire un petit cadeau, voilà, tout simplement. Mais écoutez, j'espère que le rendu vous aura plu. Alors je l'ai fait non seulement en bleu, mais je l'ai fait aussi en rose, voilà. J'espère que ça vous plaît, que le rendu vous donnera des petites idées. Donc éventuellement, vous pouvez, par exemple, quand vous faites cette découpe, vous avez donc la petite bouteille comme ceci qui se découpe. Et ben moi, je suis venue derrière faire une fermeture, le coller. J'ai mis bien sûr du rhodoïde au départ, vous voyez, de ce côté et ce côté. Là, je ne sais pas si je le mets derrière ou pas. Je verrai pour celui-là.
Mais voilà, j'ai voulu faire un autre rendu pour vous montrer que avec ce dice, vous pouvez récupérer donc ces petites bouteilles quand vous faites votre découpe et ensuite venir donc le coller juste derrière. Voilà. Et voilà le rendu en rose que ça donne. Et pareil, ceci, ça c'est pour mettre donc la boîte au fond. Vous voyez par exemple, donc là je vais vous ouvrir cette petite boîte, toujours pareil. Et là voilà, je suis venue donc mettre cette petite bouteille en rose comme ceci. Voilà. Voilà. Et en vert, ça. Comme je vous dis, pour la planète. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, vous avez un petit cercle et qui est en volume. Parce que voilà, là, vous voyez, vous le mettez, vous formez comme une boîte. Et ensuite, à l'intérieur, vous intégrez donc la bouteille. Donc le diamètre de ce dice pour intégrer une petite bouteille fait, je crois, je m'en souviens plus, désolée. En diamètre, ouais, il fait 6,5. À peu près, oui, 6,5. Je ne sais pas de bêtises. Oui, 6,5. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez donc intégrer une petite bouteille. Et bien évidemment, voilà. Ben voilà. Voilà. Et donc, je remets ça à l'intérieur. Voilà. Je le rentre bien dans le petit trou. Et là, voilà, vous avez votre petite bouteille. Et même, vous savez, les petites bouteilles de chocolat, là, je ne sais plus la marque, mais bon, la petite bouteille en chocolat, bah, vous pouvez, si vous voulez offrir du chocolat, bah, vous pouvez mettre cette petite bouteille aussi à l'intérieur. Malheureusement, j'en avais pas. Je voulais faire un test avec cette petite bouteille, mais je sais que j'en avais acheté et j'ai offert pour Noël, donc voilà. Et je me suis dit, je me suis même dit, j'en prends deux comme ça pour faire mon test avec les boîtes. Mais bon, j'ai dû l'offrir aussi parce que je ne retrouve plus le chocolat. Ou quelqu'un est passé. Et... Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà donc mes petites créations que j'ai fait avec ce set de dice. J'espère que le rendu vous aura plu. Voilà, en tous les cas, pour offrir, c'est superbe. Et donc, voilà, tout simplement, mes petites créas du jour. En tous les cas, je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!